Salut les gars, c'est Fabien le monteur de Jawed. Alors je tenais juste à vous annoncer quelque chose. Je suis monteur pour Jawed depuis 4 ou 5 mois. Et dans ces 4-5 mois, il y a eu plus qu'une relation monteur-vidéaste quoi. Il y a eu d'abord de l'amitié, mais de l'amitié elle se transforme de plus en plus en... Je sais pas comment vous dire, c'est un peu compliqué. Genre les sentiments d'amitié, ils sont développés, c'est devenu de plus en plus ambigu. Et donc ça fait un mois et demi que voilà, avec Jawed on est ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que vous le voyez jamais avec une fille israélienne, tout ça, c'est faux, voilà, on est ensemble. Normalement il sait pas que je vous en parle dans la vidéo, il voulait pas vous en parler, mais moi je tenais à vous en parler. Voilà, vous allez me voir de plus en plus, je vais sûrement déménager chez lui à Paris, parce qu'une relation à distance c'est un petit peu compliqué. Ce n'est pas du tout vrai, c'est bon pour toi? Les gars, je tenais juste à vous dire que normalement à l'heure où la vidéo est en ligne, Jawed est en plein live sur Twitch, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà, le premier lien que vous trouvez, ça va être son lien de sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à passer sur le live, vous abonner, vous pouvez même discuter un petit peu dans le chat avec tout le monde. N'hésitez pas à lui laisser un message personnalisé, comme quoi vous avez vu la vidéo, comme ça va là ou pas? Laissez pas ça comme message. Vous lui dites, eh vas-y! Genre, vas-y quoi. Genre V-A-Z-I-I-I. Eh vas-y quoi! Et en plus, il va pas savoir du tout d'où ça va venir. Il va se poser des petites questions, je pense. Il va se dire, eh c'est quoi là? C'est un peu. C'est. Jouez ça avec la vidéo. Putain, mais Kelly, c'est pas marrant, mec! Jared! Quoi? Je suis parti refaire les courses. Bah ouais. Si, je vais pas me faire pardonner. T'as acheté des bonbons? Non. Bah t'as acheté quoi? Quelque chose. Attends. Rassure-moi. Non, rassure-moi que c'est pas les courses. Non mais rassure-moi. Kenny, mais j'ai plus de place hein. Rassure-moi que t'as pas acheté de la viande. Non. J'ai plus de place, Kenny. T'inquiète pas, j'arrive. Mais putain! Ouah! Ouah! Mais attends, c'est quoi ça? J'appelle ma soeur. Non! Mais j'ai plus de place! J'ai plus de place! Mais j'ai plus de place! Je vais mettre ça où? Regarde! Regarde les sacs! Un sac! Deux sacs! Trois sacs! Quatre sacs! Cinq sacs! Six sacs! Non! Non mais arrête! Même les familles, elles font pas, les familles! Les familles qui ont cinq enfants, elles font pas! Je vais mettre ça où? J'ai plus de place! L'armoire à l'arrière des pattes, c'est blindé! Des chips! Voilà, ça commence bien! Un, deux, trois paquets de chips! De la salade! Voilà, c'est correct! Pourquoi t'achètes des pommes de terre, toi? Sincèrement, je vais les mettre où? 4 paquets de tomates cerises. Je préfère même pas parler, frère. Là, je préfère même pas parler. C'est quoi ça? C'est des shringles. Au cochon? Oh. Mais ça va, toi? Ah, tu t'es fait plaisir. Hi, Pepito! Des boissons, on en a de la blinde. Un autre paquet de chips. T'as pris format familial, quoi. Non, mais putain, mais Kenny, regarde, mais putain, je vais mettre ça où? Là! Putain, des merguez piquantes, mais tu t'es fait plaisir, enculé, va. Kenny, mais regarde! Tu t'es fait plaisir, toi, dans les sauces, hein? Un paquet de viande. Deux paquets de viande, trois paquets de viande. Kenny, mais putain, mais du foie gras encore? Deux paquets de foie gras? Foie gras, ça coûte pas cher. Regarde. 280 euros. Ça, c'est le premier ticket. Kenny, si on fait le calcul, t'en as eu pour 500 balles au total. Ça va, toi? Hein? Ça va? Tranquille. Des chorizo forts. Ça va, toi? Des Pringles au bacon. Ah, oh, y'a trois sacs encore! Du poulet! T'as, mais tu t'es créé au KFC ou quoi? Mais regarde! Regarde le poulet que t'as acheté! Mais pourquoi t'as acheté des bouteilles d'alcool? Un, deux! 4 bouteilles d'alcool, mais t'es... On est où là, Kenny, là? Moi, je sais pas, frère, bon, là, je... Ah, c'est abusé, frère, c'est abusé. Regarde, la boisson encore, je vais mettre ça où? Encore des paquets de sucettes. Du saumon. Ça va, t'as pas pris de la merde, toi, ça va, tranquille. 40 euros. Moi, j'ai rangé. Alors là, mon gars, tu te mets un doigt dans le cul. Ah, tu vois? Bah, c'est cool. Dégage, je vais t'enculer ta grosse merde, la reine des chiens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu m'as acheté ça? Je l'ai pas acheté, je l'ai volé. Non mais qui? Attends, le ticket de caisse. Mais en plus t'as acheté 3 jeux, fils de pute. Battlefront. Mais c'est... Mais pour qui? C'est pour qui? C'est pour toi, parce que t'as un gros front. Battlefront. Allez, j'abandonne. Allez, t'es pas mal. T'as pris un crédit? 4 fois sans frais, fils de pute. Fais montrer que t'as pris un crédit. 4 fois sans frais. Non, t'as pas pris un crédit, Kenny. Arrête. Hein? J'ai pris un crédit avec ta carte. Non, je te crois pas. Wouah, Kenny, mon frère. Je t'ai demandé des pains burgers, je t'ai pas demandé des Desperados, fils de pute. C'est hein. Pour regarder des Desperados White. Voilà, regarde, voilà. Voilà. Kenny, mon frère. Voilà, mon frère. Ah, des steaks, c'est bien. 1, 2, 3, ça c'est cool. Moi, ça va vous servir. Regarde-moi ça. Là, attends, elle coûte combien ça à la base? Je sais pas, 250 euros. 250 euros ouais. Une tara, ça coûte 400 balles ça, 399 euros exactement. Mais pourquoi t'as acheté ça? C'est quoi ça? Mais tu veux faire quoi avec ça, Kenny? C'est quoi? Bah c'est quoi? Mais dis-le-moi toi, c'est quoi? C'est un vase pour mettre des poissons. Tu joues de ma gueule? Non. Tu joues de ma gueule? Mais pourquoi tu m'as acheté une marmite là? Oh putain, m'a fait peur. Tu vas vraiment kiffer. Tadaaa! Mais
là. Mais je vais mettre ça où? Regarde là, là, là. Regarde. Ah, y a plus de place. Faire plaisir, mais... putain. Regarde, mais y a plus de place là. On va mettre ça où? Vous avez acheté ça avec quoi? Avec ma carte. Sans description, vous l'avez eu pour combien? Vous l'avez eu pour combien? 200, je crois. Putain, non mais les gars, attends, des Kinder Delice. Non mais c'est. Oh, ouais, ouais, mais c'est bon. Mais qui c'est qui va bouffer ça? Toi, parce que moi j'aime pas. Les Menems, les Kinder en bas. Franchement, vous avez abusé. Mais arrête toi la putain de ta mère. J'arrête. Donne-moi ça. Mais là, les gars, vous savez l'appartement comme on va le transformer à force de faire un truc comme ça? En salle de cinéma. Non mais ça. Bah mange. Quoi? Viens, viens, s'il te plaît. Ne passe pas pour rien. Y'a Julia Gameuse. Kenny, il a fait une connerie là. C'est toi. Non, c'est Kenny, c'est pas moi, c'est pas moi par contre. C'est pas moi par contre, je te jure que c'est pas moi. Oh. J'ai rien fait, Jawad, c'est pas moi. Putain, mais regarde, juste un exemple. Regarde, j'ai pris juste ça. Regarde, reste là. Regarde, tu vois, c'est même pas fini encore. On en a trois paquets. Oh, mais ça, c'est blindé, tu ouvrais un KFC ici ou quoi, là? Regarde. Oh. Non, je rigole. Je te mets une paillette. Brownie. Non, mais regarde. Non, mais je regarde, y'a pas de Jawad. C'est quoi le nom de site de cul que t'as mis ce matin? Parce que moi, je le connaissais pas. Tu vois, regarde, de poulet, regarde. Tu vois, ça normalement c'est amplement suffisant ça pour nous. On est d'accord, normalement c'est amplement suffisant. Eh ben non, le mec il rajoute du poulet. Regarde tout le poulet qu'il a pris. Tu ouvres un KFC? C'est quoi ça? Regarde la gueule que t'as pris déjà. Regarde. Oh, t'es mort Kenny, ce que t'as pris. Kenny, je suis blindé de sauce. Regarde. Putain. Oh mais non, mais regarde la tête de ma mère. Regarde, là, regarde. Y'a pas assez de sauce, hein! Y'a pas assez de sauce! Non, mais regarde la cagoule, la vie de ma mère, comme ça tu dis pas que je suis un menteur! Regarde tout ce qu'il y a en sauce! Ça se fait pas, Kenny! Non, mais la tête de ma mère! Kenny, ça se fait pas! Regarde ce qu'il y a déjà! Kenny, ça se fait pas, gros! Regarde dans la main là-bas! Regarde, un paquet de pâtes! Deux! Je suis blindé! La quantité de viande! Wesh, mon frère, t'as cru qu'on était des quoi? On a des gros ventres? D'accord, mais regarde, frère! Non, mais c'est bon! Du poulet. Eh, hey, comme s'il avait pas assez du poulet. Comme s'il en avait pas assez. Y a pas assez de viande, hein. Fils de pute. Regarde. Non mais laisse-le. Mais voilà, il va les ranger lui-même. Ouais, vous avez merdé les mecs. Regarde, putain. Quoi ça? Ah, chère, écoute-toi, fils de pute. Donne-moi, ça fait mal. Ça fait mal, tu crois que mon argent il fait pas mal ou quoi? Bah non, ça fait pas mal. Pourquoi il fait pas mal? Parce que c'est mental, c'est pas physique. Ah non, c'est trop, frère. J'ai oublié d'acheter du sel. Vas-y, roule, je coupe la dynamique pour me mettre.